Clary va sûrement vouloir faire le ménage, si j'ose dire. Et elle contrôle encore toutes les micro-puces à proximité. Nous devons accéder au système de sécurité pour les désactiver, sinon ces esclaves risquent d'y passer. Entendu. Tu crois quand même pas que... Hé, si t'es... Abandonne ! Viens aider. Vendu ! Je l'ai perdu de vue. Allez voir là-bas ! Restez pas là plantés comme des cons ! Rien d'anormal. Je continue de chercher. J'imagine que je devrais faire le tour. Je vois personne ici. Ça, dis donc. C'est très bien, même. Super. C'est bon. Regarde ça.
Venez donc, vermine. Tu vas marcher, saloperie. Ah, oh, vous vous croyez malin, hein? Merde. Peter. Mais bordel. Bon, au moins les puces sont désactivées. Marie s'est enfermée dans son bureau en bas, mais la console devrait remettre l'ascenseur sous tension. Oh, et les gardes sont en alerte, alors essayez de ne pas vous faire tuer, entendu? Ah bah bravo. Attendez, ce serait pas... Oh! Vous devez rester suffisamment longtemps près de la console pour que je réactive l'ascenseur conduisant au bureau de Marie. C'est fou, tu puces ne marche pas. Je suis dans mon bureau. Venez exterminer la vermine. C'est foutu. Pas la peine de faire durer le plaisir. Peter est mort. Ramenez vos fesses par ici et écrasez-moi ces saletés de cafards. C'est bon, les ascenseurs fonctionnent et vous pouvez accéder au bureau de Marie. Ah, et l'inspecteur Lowe est en ligne. J'ai peur qu'elle ne soit pas de très bonne humeur. Dead Sec, qu'est-ce que vous foutez là? On avait un accord. Les choses sont faites à ma façon. C'est pour ça qu'on a rassemblé ces preuves. J'ai tous les éléments nécessaires. Est-ce que votre paperasse l'empêchera de tuer ses esclaves? Cette femme est un chien enragé, Lowe. C'est pas la peine de relancer le débat, on n'a pas le temps. Allez-y et empêchez-la de commettre l'irréparable. J'arrive. Ramenez-vous! J'ai pas besoin de micro-bus pour vous saigner, bande de sales rats! Voilà Dead Sec! Au moins vous tombez à pic! La police arrive, c'est fini! Oh, mais je compte bien là-dessus, mon chou! Plus personne ne bouge! Éloignez-vous d'elle! Marie Kelly, vous êtes en état d'arrestation. Coffrez-moi, inspecteur. Je suis disposé à me présenter devant votre fichu. Tribunal. Mais ne comptez pas sur moi pour m'éterniser inutilement. Hé, les nazes!
Je vous ai donné un but dans la vie, alors que cette vie vous vomissait. On se retrouvera très vite, croyez-moi. Stop ! Vous ne pensez pas qu'elle va vous laisser lui rafler sa prise du siècle ? Qu'est-ce que tu protèges ? Le système ou la population ? Promettez-nous... Promettez-nous qu'elle ne s'en tirera pas. Putain de flic. Allez-y, je prendrai le relais. Eh bien, tête sec, vous avez eu ce que vous vouliez. Marie est neutralisée, de façon permanente. Je voulais faire les choses correctement, mais après tout ce que j'ai vu, je ne pouvais plus la laisser vivre. Ça devait arriver, Lo. Elle a eu ce qu'elle méritait. Pour tous ceux qu'elle a fait souffrir. Pour Angel. Vous avez fait ce qu'il fallait. Elle a traité tout le monde avec cruauté, et voilà ce qu'elle a récolté. C'est triste, mais c'était prévisible. Je ne sais pas. C'est une idée de la justice qui n'est pas la mienne. J'y suis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tout a l'air parfaitement normal, je suppose. Installez-vous, je vais renvoyer un ping à l'adresse IP. Madame ? Un téléphone à clapet ? Bah, ça rappelle des souvenirs. C'est un cryptophone, entièrement sécurisé. Tous les appareils CityOS risquent d'être sur écoute. Si on nous surprend, on se fait zigouiller. Toi et moi. À qui ai-je l'honneur ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai des infos sur les Sœurs. Et je crois que ceux qui vous ont fait porter le chapeau sont des traîtres. Ça me coûte de le reconnaître. Mais DeadSec pourrait bien être mon seul espoir de les arrêter. D'accord, on vous écoute. On verra après. Bien. J'ai caché les coordonnées d'un point de rendez-vous sur un appareil de cet établissement. Bagley, Sabine, j'ai besoin de vos lumières. Vous en pensez quoi ? Bon, ça nous arrange pas. Donc, ce mec des Sœurs raconte que Zero Day, c'est juste des bouffons d'agents secrets ? Remarque. C'est pas si bête comme idée. L'attentat était trop pointu pour des amateurs, mais peut-être pas pour les Sœurs. Officiellement, l'organisation appelée les Sœurs utilise des données de surveillance tirées du CityOS pour identifier des menaces terroristes et criminelles à grande échelle. Ensuite, ils envoient Albion pour les éliminer. Voici un exemple. Suite à la recrudescence des violences à Londres, les Sœurs étendent leur droit d'utiliser la force létale aux policiers et aux agents de sécurité d'Albion. Officieusement, les Sœurs utilisent vos données pour lire dans vos pensées et vous arrêter si elles ne leur plaisent pas. On a donc le moyen et l'occasion, il reste plus que le mobile. Les Sœurs, y a pas plus facho, mais ils sont censés empêcher les groupes comme Zero Day de commettre des actes terroristes. Alors pourquoi en provoquer un ? Si on croise ce mec, faut lui demander. On a un problème. Il y a des traces de lutte, mais notre contact a disparu. Les Sœurs doivent être à ses trousses. Si vous pouvez accéder à l'infrastructure de surveillance du secteur, je pourrais reconstituer la scène en RA. Tu peux compter sur moi. Thank you.
impressionnant. C'est bon. Retournez sur les lieux. Je vais faire une reconstitution de ce qui est arrivé à notre contact. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Il semble que ce soit notre contact. Mais bordel. Oui, il a connu des jours bien meilleurs. Analyser les données dans l'espace de travail en RA pour découvrir ce qui lui est arrivé. Il s'agit d'une arme non létale. Il y a donc des chances qu'il soit encore vivant, même si ce n'était pas ce qu'il voulait. Ils ont emmené notre contact des Sœurs, mais ils doivent encore être dans les parages. Je peux reconstituer l'itinéraire du véhicule à partir des caméras de surveillance non sécurisées. Ça devrait vous permettre de le suivre. J'ai presque fini la reconstitution. Et c'en est aussi bientôt fini de notre contact si vous ne vous dépêchez pas. On dirait que ceux qui ont attaqué notre contact se sont arrêtés ici, mais je ne les vois nulle part. Je vais analyser les données et tâcher de... Les ravisseurs de notre contact changent de véhicule pour brouiller les pistes. C'est une procédure standard chez les mercenaires d'Albion. Albion ? Et pas les Sœurs ? Que répondre ? Ce sont des mercenaires. Si vous creusez, vous découvrirez peut-être pourquoi ils s'intéressent à un lanceur d'alerte des Sœurs. Après avoir effectué une analyse minutieuse du véhicule, j'en conclus qu'il s'agit d'une fourgonnette. Allez, Bagley, qu'est-ce que t'as d'autre ? Eh bien, je pourrais aussi préciser que les minuscules traces de sable dans les sillons du pneu indiquent qu'il a roulé récemment sur le sol d'un chantier. Mais vous me connaissez, je déteste faire mon monsieur, je sais tout. J'ai analysé les activités d'Albion sur les chantiers de la zone et pour faire court, il semblerait qu'un génie ait tout simplement oublié de désactiver les caméras de sécurité dans la salle de torture. Montre-moi. Ah!
c'est Malik, un agent des sœurs, c'est un putain de mouchard. Non, c'est pas moi, je vous promets. Je vous en supplie, pitié. Je peux pas laisser un homme se faire torturer. Bagley, tu veux bien m'indiquer où il est, s'il te plaît? Chose ne va pas par ici. Face de flanc. Doudou, je suis avec Detsec. Tu nous as appelés. Bien sûr. Vous n'auriez pas dû venir ici. Maintenant, ils vont savoir que je les ai trahis. Quand même, on vient de te sauver. Non, tu nous as condamnés tous les deux. Je vais transférer les renseignements que j'ai volés sur un FTP anonyme. Tu verras, c'est très instructif. En fait, j'aimerais que toi, tu m'expliques. Je m'appelle Richard Malik. Je suis analyste chez les Sœurs. Je crois que Zero Day cache des traîtres, des Sœurs qui vous accusent des attentats pour prendre le pouvoir. Cette personne liquide ou harcèle tous ceux qui se dressent en travers de sa route, et je suis sur sa liste. Très bien. Bagley va étudier tout ça. Essaie de pas me le faire regretter. Ça, je ne peux rien te promettre. Malik a fichu le camp. Je vous suggère d'en faire de même. Thank you.
J'aime pas beaucoup les espions, mais il me semble sincère. Vérifions ces infos au moins. D'accord, un instant. Bagley, analyse les renseignements et organise-nous une réunion. Le plus tôt possible. C'est un cauchemar tactique. On est dans le noir absolu. Je suis là, on peut commencer? En résumé, les infos de Malik sont correctes. Une faction rebelle d'agents des Sœurs a tenté de faire accuser DedSec pour l'attentat afin de consolider le pouvoir du gouvernement. Mais ils se sont rendus compte que certains refusaient cette situation et vous en estimaient responsable. Je crois qu'il s'agit des gens que vous appelez Zero Day. Je ne connais pas leur nom, mais on peut penser qu'ils ont un chef. Et d'après mon expérience à l'étranger, quand on se débarrasse du chef... La tête tombe, le corps suit. Mais pourquoi tu viens nous voir maintenant? Il y a 2 semaines, une société fictive alliée aux opérations de Zero Day a apporté 40 kilos de Semtex depuis un ancien dépôt soviétique. Mais la marchandise n'a jamais quitté Londres. Par conséquent, Zero Day prévoit un attentat qui fera passer les précédents pour de simples feux de joie. Et je pense savoir pourquoi. Comme nous en sommes tristement conscients, les coups montés sont un grand classique en propagande. On tue tout un tas de personnes et on se met le public dans la poche en promettant d'empêcher la prochaine attaque. Cette fois, c'est Zero Day. On veut tous les deux savoir qui se cache derrière Zero Day et l'empêcher de mettre son plan à exécution. Nous devons récupérer les dossiers de toutes les personnes impliquées dans les attentats précédents et leur dissimulation. Ensuite, Malik et moi pourrons analyser leurs relations communes et découvrir qui est à la tête de Zero Day. Je reste en ligne avec vous. Donc, si Malik dit la vérité, Zero Day, c'est une sorte de cabale d'espions qui a fait sauter la moitié de la ville pour prendre le contrôle du gouvernement en secret. Et maintenant que quelqu'un s'oppose à eux, ces mecs vont recommencer. Super. Tout à fait d'accord. Ils auraient pu trouver autre chose que de faire encore sauter des bombes. Ça fait un peu doublon, non? Alors c'est de notre faute. On a résisté et Zero Day en a eu assez. On est responsable. Ça sert à rien de s'en vouloir. Je préfère 1000 fois mourir dans une explosion que de m'agenouiller devant des petits dictateurs et les laisser me piétiner.